Nous sommes de retour à Issac, toujours en Dordogne, et je vais aller rejoindre Monsieur Poirier, qui est apiculteur et qui va nous parler un petit peu des abeilles, du monde des abeilles et du miel pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors ça fait, vous êtes arrivé tardivement dans le métier, je crois. Tardivement à titre professionnel, ouais. Je me suis installé à 50 ans, mais j'avais des ruches depuis l'âge de 30 ans. C'est un truc qui m'a toujours passionné. Ce sont des abeilles bâtisseuses. Vous n'intervenez pas finalement dans le mode de vie des abeilles? Le moins possible, c'est-à-dire que je les laisse construire leur cadre. Les cadres, c'est où elles viennent construire les alvéoles dans lesquelles elles mettent le pollen, dans lesquelles la reine pond, dans lesquelles elles mettent le nectar. En principe, les apiculteurs mettent une feuille de cire qui fait qu'elles ont, que le travail est pour elles est moins fastidieux. Voilà, moi, je leur laisse que bâtir tout ça. Ce qui fait qu'elles prennent un peu du retard dans la saison, mais elles le rattrapent en fin de saison avec une énergie incomparable. Ça, c'est une ruche traditionnelle, comme on voit beaucoup. Ça, c'est une ruche... C'est un tronc d'arbre. C'est un tronc d'arbre, un tronc de châtaignier, comme on en trouvait il y a encore 100 ans. C'est la ruche vraiment traditionnelle qui a précédé celle-ci, dite ruche à cadre. L'étape de fabrication du miel, pour ceux qui ne connaissent pas, comment ça se passe là? L'abeille, elle fait quoi exactement? À l'origine, il y a donc une reine qui se met à pondre. Et quand il commence à y avoir beaucoup de butineuses, elles vont chercher du pollen, du nectar dans les fleurs, de l'eau. Elles vont chercher de la propolis sur les bourgeons d'arbres. La propolis a des vertus antibactériennes, antibiotiques reconnues depuis les Égyptiens. Et alors combien de temps il faut entre le moment où elles vont butiner, finalement, elles ramènent le pollen, et la phase où vous récupérez vous le nectar pour fabriquer le miel? Il faut combien de temps? À partir du moment où elles rentrent du nectar, on peut dans la foulée récolter le miel. Alors cette plaque, c'est un cadre. Et ces petites alvéoles, elles servent à recevoir tout ce que les abeilles vont chercher à l'extérieur, c'est-à-dire le nectar, le pollen. Et puis, il y a aussi la reine qui s'en sert pour pondre. Donc la reine, en principe, elle pond toujours au milieu, là. Autour, les abeilles mettent un peu de pollen qui va servir à nourrir les larves, les bébés. Et autour, il y a encore une couronne de miel. Voilà. Et nous, apiculteurs, on se contente de récupérer ce cadre, d'enlever l'alvéole et de l'extraire et de le mettre en pot. Voilà. Je vois miel de forêt là. Qu'est-ce que c'est le miel de forêt? Le miel de forêt, c'est vraiment l'exsudat récupéré sur les feuilles. On appelle ça du miela. Et la particularité, c'est le miel le plus riche en oligo-éléments, notamment en magnésium. Voilà, notre journée à Issac se termine. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve une prochaine fois sur d'autres chemins.